Vous voulez devenir le meilleur des entrepreneurs et vous ne savez pas par quel bout commencer? Aujourd'hui, on va faire le top 10 des bouquins à lire pour tout comprendre à l'univers des startups et monter la meilleure des boîtes. Bonjour à tous, je suis Rémi Perla, fondateur de la startup Epopia. Et effectivement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, s'il y a une chose qui a de la valeur, c'est la courbe d'apprentissage. Vous devez apprendre, apprendre, apprendre. Et plus vous engrangerez de connaissances, plus vous serez bon dans ce que vous ferez et moins vous ferez d'erreurs. Et pour ça, y a un outil qui est juste magique, ça s'appelle les bouquins. Ça tombe bien, on a tous appris à lire et ça c'est cool. Et l'intérêt de lire, c'est que vous allez pouvoir avoir plein de retours d'expériences d'entrepreneurs chevronnés qui sont tombés dans des trous, qui sont tombés dans des pièges, qui se sont plantés et qui expliquent comment, pourquoi, qui donnent des méthodes. Et ça, c'est vraiment d'une richesse absolue pour pouvoir vraiment accélérer votre travail, ne pas perdre de temps, ne pas perdre des années, ne pas perdre de l'argent et aller directement à l'essentiel avec les bonnes méthodos là où il faut. Et donc, voilà, c'est vraiment une arme de réussite massive, j'ai envie de dire, lire des bouquins. Pour ça, il y a une liste de livres. Alors, il y en a plein, des livres d'entrepreneuriat et des livres pour les startups, il y en a des tonnes. Je vous ai fait la liste des 10 bouquins essentiels qu'il faut lire pour se lancer. Alors, je vous propose en fait d'attaquer par grands chapitres sur les 10 grosses questions qu'on va se poser quand on va lancer sa boîte et on va sur chacune question voir où est la documentation et comment est-ce qu'on s'améliore. La première chose qu'on fait quand on lance sa boîte, c'est qu'il faut avoir une idée, il faut avoir un produit, il faut développer ce produit. Et pour ça, il y a déjà un bouquin qui est essentiel, c'est Zero to One de Peter Thiel. Alors Peter Thiel, pour l'info, c'est un des cofondateurs de PayPal. C'est aussi un des premiers investisseurs de Facebook. Donc on peut dire qu'il a à peu près compris où était le succès. Et dans ce bouquin Zero to One, c'est vraiment, on va dire, des grilles de pensée pour les startups, pour vraiment créer le futur. C'est comme ça que lui, il le décrit. Et donc l'idée, c'est vraiment, c'est une invitation à oser innover, innover de manière radicale. Ça veut dire ne pas suivre forcément la route facile, ne pas passer de N à N plus 1 en copiant un truc qui existe déjà et en le faisant un peu mieux, parce que ça veut dire que l'autre va pouvoir vous rattraper très vite, et donc vous êtes dans une compétition permanente, mais au contraire de repartir à zéro. Table rase, feuille blanche, comment est-ce que vous pouvez réinventer toute l'expérience, tout le produit, comment vous pouvez renverser le marché en repartant à zéro. Donc c'est vraiment de zero to one, de rien à quelque chose. Et effectivement, c'est une voie qui est beaucoup plus dure, mais c'est une voie qui est radicale et qui est en fait la plus sûre pour obtenir une vraie position dominante sur votre marché. Et encore une fois, PayPal ou Facebook le montrent bien, mais c'est également toute l'histoire d'Amazon, de Google. Vraiment, tout ça, c'est formalisé dans ce bouquin. Quelle est la recette secrète pour faire un GAFA? Donc voilà, Zero to One de Peter Thiel. Toujours sur le produit et sur la méthodo pour créer un bon produit, Lean Startup, dont je vous ai déjà parlé dans plein de vidéos, notamment une sur le Lean Startup où je vous explique toute cette méthodologie. Donc je vous invite à aller voir ici, parce que ça vous donne une méthodologie pour penser votre produit, pas d'abord créer un produit et après le mettre sur le marché et que personne n'en veuille, mais comment est-ce qu'on va le co-construire avec ses futurs clients, comment on trouve ses clients en même temps et qu'avec eux, on va pouvoir itérer, comprendre ce qu'ils aiment dans ce qu'on a déjà commencé à faire avec un MVP, un minimum viable product, et mesurer, apprendre, en déduire une nouvelle hypothèse et donc vraiment partir du principe que tout ce qu'on croit, tout ce qu'on sait est faux et c'est seulement le marché qui nous dira la vérité. Et pour ça, il faut tester, tester dans une boucle permanente qui est vraiment mesurer, analyser, proposer et on construit. On mesure, on propose quelque chose de nouveau, on construit. Voilà, et ça, c'est une boucle et on apprend. Et c'est une boucle d'apprentissage permanente qui permet d'aller vraiment vers un super produit. Alors, Shankery Chris, lui, est cofondateur d'IMVU qui est à peu près un second life amélioré et qui a encore aujourd'hui des millions et des millions d'utilisateurs. Donc c'est vraiment un truc de fou. Toujours sur le produit et là plutôt centré sur les apps, c'est Hooked. Hooked, c'est juste un bouquin génial qui vous dit comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les gens deviennent en fait accros à votre produit et l'utilisent tous les jours, encore et encore. Et donc c'est encore une saison de boucle, mais comment est-ce qu'on arrive à avoir une boucle dans laquelle il y a des crochets qui attirent les gens pour les ramener sur le produit, qui leur fait faire des actions, qui vont déclencher des nouveaux crochets, des nouveaux hooks, qui vont les ramener de nouveau dans le produit et ainsi de suite. Et donc c'est comment en fait on rend son produit addictif et on fait que les utilisateurs veulent l'utiliser encore, encore et encore. Et donc c'est notamment pensé principalement pour les apps, mais c'est vraiment une bible pour tous les gens qui veulent créer un produit parfait. Livre de Nir Eyal, vraiment génial. Alors, je vais pas plus loin sur le produit, mais si on est encore en phase de lancement, je vous propose aussi également de jeter un œil sur L'Art de se lancer, qui est aussi un bouquin très très sympa quand on démarre. Ensuite, on va un petit focus sur le business, parce que c'est bien d'avoir un produit, mais il faut aussi avoir un business model si on veut réussir à trouver ses clients. Et pour ça, il y a un bouquin de référence aussi, c'est Business Model Génération. Donc c'est vraiment un livre dans lequel on va vous expliquer
tous les business models qui existent, quelles sont leurs mécaniques, comment est-ce que vraiment ils fonctionnent, et notamment c'est là qu'on sort le célèbre business model Canva, que vous avez sûrement déjà vu passer, où on définit l'offre de valeur, pour qui, à combien on le vend, et combien il nous coûte à faire, et qui sont les personnes clés, les acteurs clés pour le faire, et les partenaires. Et voilà, ça fait un boucle et on arrive à modéliser un business model. Tout ça, ça vient de ce bouquin, Business Model Génération. Et donc, notamment pour réinterroger la manière dont vous vendez, et où est la valeur, et comment on crée de la valeur, et comment on la propose à ses clients, c'est vraiment bien d'avoir un peu toute cette théorie de tous les business models qui existent et comment ils fonctionnent pour réussir à trouver le vôtre, et pas juste partir d'une idée préconçue facile parce que vous avez fait comme les autres. En fait, vous pouvez peut-être trouver mieux que les autres. Alors, toujours aussi rapidement sur le business, mais je ne l'ai pas mis dans le top 10, c'est Blue Ocean Strategy, dont j'ai déjà aussi parlé dans une vidéo. Il y a d'autres bouquins encore qui peuvent vous aider à réfléchir différemment à votre manière d'attaquer le marché. On a vu le produit, on a vu le business model, mais je l'ai déjà dit aussi, il faut, quand on lance sa startup, il y a deux choses vraiment qui doivent vous occuper, c'est créer le produit, trouver votre marché, et c'est les deux qui doivent être faits en parallèle. Donc là, on va parler marketing, comment on trouve son marché. Et alors, en marketing, il y en a un, je vous en parle tout le temps. D'ailleurs, vous retrouvez toute une série de vidéos qui en parlent ici. C'est Traction, donc qui vous présente les 19 canaux d'acquisition pour trouver vos clients et la méthode pour les explorer et identifier les bons pour vous et réussir à les dominer. Donc ça, c'est vraiment un bouquin qui est essentiel à mon sens. Traction, écrit par Gabriel Weinberg, qui est fondateur de DuckDuckGo, qui est un peu le concurrent de Google en moteur de recherche, mais sans vous prendre vos données, et qui est un moteur de recherche qui marche bien aux États-Unis. Ensuite, toujours marketing, Growth Hacker Marketing. Donc ça, c'est un bouquin de Ryan Holiday qui se décrit comme un madman, donc vraiment un marketeur à l'ancien, qui a vu en fait le marché du marketing complètement se faire disrupter par les startups et leur nouvelle manière de communiquer et de faire leur marketing. Et donc qui a théorisé ça dans ce bouquin et qui est un peu une théorisation du gros hacking. Donc gros hacking dont on a déjà aussi parlé ici dans une vidéo très en détail et où je reprends en grande partie d'ailleurs ce qui est dans ce bouquin, gros hacker marketing. Donc vraiment, comment est-ce qu'on arrive de balancer des tonnes de budget pour faire de la pub télé, et comment est-ce qu'on arrive à trouver à modifier son produit pour qu'il devienne idéal pour son public et que le public se mette à l'utiliser de manière forte, et après comment est-ce qu'on arrive à trouver où est son public en masse et qu'on arrive à les ramener vers soi par des hacks, et enfin comment est-ce qu'on arrive à rendre son produit viral pour que tous les gens qui rentrent dedans y invitent d'autres gens. Donc voilà, ça c'est un peu toute la maîtrise du gros hacking qui est dans ce bouquin et qui est donc super intéressant à maîtriser. Et ensuite, toujours sur le marketing, parce que c'est un sujet que je kiffe grave, Met to Stick, donc ça c'est les idées qui collent, c'est fait pour coller, livre de Chip S, qui est un bouquin qui vous explique comment il y a des histoires, des idées, des légendes urbaines d'ailleurs, qui traversent le monde. Ça part de n'importe où, ça part d'une bêtise, et le monde entier est au courant en très peu de temps parce que ça se propage. C'est quoi ces idées qui fait que quand on vous les dit, 10 ans plus tard, vous pouvez encore raconter l'histoire et vous en souvenez? Et qu'est-ce qui fait que des histoires ont cette force? Comment est-ce qu'on, du coup, on peut faire un bon message et avoir des messages hyper forts? Voilà, ça c'est ces idées qui collent. C'est un bouquin qui est hyper génial pour travailler votre message et votre manière de présenter les choses et votre storytelling. Alors, je m'arrête là sur le marketing, mais il y a d'autres bouquins, notamment La Vache Pourpre de Seth Godin, qui est vraiment top. Crossing the Chasm, pour comprendre quelle est la courbe d'acquisition de son marché, mais je ferai bientôt une vidéo là-dessus. L'obsession de la relation client, j'en ai déjà aussi parlé. Donc, comment est-ce qu'on a une bonne relation client et on arrive à capitaliser, à fidéliser ses clients avec ça. Mais on va passer tout de suite à la suite. Donc, ça y est, on a un produit, on a trouvé son marché, on a un business model, donc on a un product market fit, c'est parti. Et maintenant, il y a de la croissance. Et quand on rentre en phase de croissance, il y a plein de défis qui arrivent. Et la première, c'est que l'équipe doit grossir. Donc ça veut dire qu'il va falloir embaucher. Et pour ça, il y a une bible, c'est The Hay Method for Hiring de Geoff Smart et Randy Street. Alors j'en ai aussi déjà parlé dans plusieurs vidéos, donc là il y a une playlist sur le management et notamment le recrutement, comment on applique la méthode Woo. Donc ça c'est vraiment un livre essentiel, c'est juste un livre essentiel, lisez-le. Comment est-ce qu'on trouve les bonnes personnes, comment on construit sa fiche de poste, et surtout comment est-ce qu'après on fait des entretiens où on cherche pas juste à se dire « Ah, il aime les mêmes trucs que moi donc j'ai trop envie de l'embaucher », mais où on reste concentré sur exactement ce qui est important pour le poste qu'on cherche à remplir, donc quels sont les bons critères et
réussir à avoir une méthode vraiment forte, où on a toutes les bonnes questions, tout est rythmé, il n'y a pas de doute. Et aussi après, comment est-ce qu'on va chercher des références, comment est-ce qu'on on fait aussi jouer les équipes dans le processus, comment est-ce qu'on donne aussi envie à la personne qu'on recrute de revenir chez vous. Tout est dans ce bouquin, The Hay Method for Hiring, c'est vraiment une bible. Là, il faut la lire. Toujours, on est en croissance, on vient d'embaucher. Le livre de la jungle, j'en ai aussi déjà parlé dans une vidéo. Comment est-ce qu'on... on éduque en fait ces nouveaux salariés, les gens qui rentrent, pour comprendre comment fonctionne une startup, pourquoi votre boîte n'est pas comme toutes les autres boîtes, quelle est votre culture d'entreprise, comment y trouver leur place dedans et comment devenir les meilleurs employés dans votre boîte. Donc pour ça, il y a un bouquin qui est génial, qui a été écrit par Younes Rahbaoui et Annabelle Bignon et préfacé par Oussama Amar. Donc c'est vraiment toute l'équipe de The Family qui est derrière ce livre, qui vient en fait de la formation Lion, qui donne notamment pour éduquer et pour former des gens pour devenir salariés en startup, que ce soit en gros hacking ou dans d'autres domaines pour les startups. Donc voilà, ça c'est vraiment un bouquin qui est génial à partager avec toutes vos équipes chez nous, chez Epopia. Tout le monde doit le lire quand il arrive dans la boîte. Et alors toujours en phase de croissance, il y a plein de défis. En fait, on navigue tout le temps dans le doute, dans le trouble, on ne sait pas où on est. Tout change très vite, tout peut s'effondrer très vite. Et pour ça, il y a des modèles qui ont réussi à naviguer en fait dans l'incertitude permanente. Et pour ça, il y a un bouquin qui est génial, Ben Horowitz, The Hard Thing About Hard Things. Donc c'est comment construire sa boîte quand il n'y a jamais de bonne réponse et quand on est tout le temps dans le brouillard et dans l'incertitude. Donc Ben Horowitz, qui était vice-président de Netscape, pour les plus anciens qui ont connu l'ancêtre des navigateurs web, qui était aussi vice-président d'AOL, qui est le cofondateur de OnCloud, donc qui s'est lancé dans le cloud quand il n'y avait encore personne. En fait, c'est une des premières boîtes qui ont fait du cloud. Donc c'est vraiment, il était novateur tout le temps. Et comment est-ce que dans des marchés comme ça, qui n'ont pas arrêté de bouger et de se renverser, eh ben il a pivoté, rechangé de stratégie, réussi à aligner son équipe avec lui. C'est juste impressionnant et hyper enrichissant et hyper inspirant. Comment est-ce qu'on peut naviguer là-dedans et quand on ne sait rien, comment est-ce qu'on peut quand même construire des monstres et faire des trucs géniaux. Et dans toute cette littérature inspirante, il y en a plein d'autres. Hein. Là, je me suis arrêté sur celui-là. Mais l'entreprise du bonheur de Zappos, qui explique aussi toute l'histoire de Zappos, mais aussi toute la stratégie relation client et aussi l'opérationnel, comment ils ont réussi à faire un truc génial et qui fonctionne super bien. On m'avait dit que c'était impossible, Jean-Baptiste Rudel, donc Criteo. Et là, c'est intéressant, c'est aussi une success story à la française qui aussi nous explique comment il a pivoté, tué une boîte à 20 millions pour en faire une à 200 millions et tué une boîte à 200 millions pour en faire une à 2 milliards. Voilà, comment est-ce qu'on prend des décisions aussi difficiles et qu'on peut être radical comme ça. Et alors après, toujours dans la croissance, comment est-ce qu'on construit une équipe tech, smart and get things done. Ça, c'est hyper bien pour construire son équipe tech et comment aligner les gens. Et puis, si vous êtes aussi dans une boîte plutôt créative, Creativity Inc., comment est-ce que Pixar est devenu Pixar et ce monstre sacré. Donc voilà, ça, c'est des bouquins que j'adore aussi. Donc, il y en a plein. Mais retenez au moins, en tout cas, ces 10 livres que je vous ai cités, Zero to One, The Lean Startup, Hooked, Business Model Generation, Traction, Growth Hacker Marketing, Met to Stick, Who, The Hay Method for Hiring, Le Livre de la Jungle, The Hard Thing About Hard Things. Voilà, ça c'est vraiment pour moi le top 10 des bouquins qu'il faut avoir lu. J'espère que je pense que là vous avez une bonne liste de lecture pour repartir. Vous aurez en description naturellement la liste de tous les bouquins avec des petits liens si vous voulez les cash, les acheter chez Amazon ou chez d'autres. Éclatez-vous. mais vraiment, lisez-les. Il y en a une partie qui n'existe qu'en anglais. La plupart sont maintenant aussi disponibles en français, donc c'est encore plus facile pour vous. Je vous mettrai les liens aussi en français. Ce sera cool. Et puis voilà, je vous invite à partager cette vidéo et à la liker. Et pour que tous les autres entrepreneurs aient aussi cette liste des bouquins essentiels pour apprendre vite et devenir les plus vite les meilleurs entrepreneurs possibles et entrepreneuses. Et puis je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pas louper mes prochaines vidéos, parce que très vite je fais des nouvelles vidéos sur un autre sujet qui vous intéresse, qui vous aide à progresser très vite, à devenir le meilleur, à monter une super startup. Allez, ciao.